Salut les enfants, c'est Mon Oncle Rock qui te fait des suggestions aujourd'hui sur EDM, le punk rock alternatif québécois. Ouvre bien tes oreilles, prends des notes, parce que ça va aller vite, c'est un moyen temps. Écoute ça là. Dans ma liste, tu diras, hey, mon oncle, t'as oublié des groupes. Ce groupe-là, puis ce groupe-là. Hey, mon oncle, il va te dire, il vieillit, puis il oublie. Et l'important, c'est que toi, dans mes suggestions, t'es écoutes. De 70 à 80, Offenbach. Offenbach, c'est un groupe extraordinaire. Des guides, des solos. C'est juste bon pour moi. 2002, les Ghouls. Eux autres, je les aime. Font un punk rock imagé, leur premier album. Me surprend encore aujourd'hui quand je l'écoute. 1996, les Vulgaires Machins. Les Vulgaires Machins font un punk rock intelligent avec des thèmes qui poussent à réfléchir. Ça, mon oncle rock, il aime ça réfléchir. 2006, Xavier Caféine. Le petit gars nous donne un punk rock mélodique, vraiment pop accrocheur, vraiment bon. Les deux pieds bien ancrés dans la réalité montréalaise. 1994, Groovy Hardfire. Je capote, ils sont bons, j'adore l'album Folk Terror. Je finis avec une mention spéciale pour 1994, Éric Lapointe. Éric le gros, j'ai voulu te snobber longtemps comme j'ai snobé Bon Jovi, d'ailleurs, lui, j'ai pas retourné ses appels. Mais le temps te donne raison, t'es vainqueur, t'es important dans la scène québécoise rock. Faut que je te donne ça. Hey go! J'allais oublier quelque chose! 2018, Enfants Sauvages, un groupe de Québec, va cliquer là-dessus tout de suite. C'est ça qui termine mes suggestions. Si t'as aimé ça, laisse des commentaires. T'as pas aimé ça, laisse des commentaires. Tu trouves qu'il y a des groupes que je connais pas, que j'ai pas dit qu'il faudrait que je me... Écris-les donc! Et arrête d'attendre! Ah ouais! Rah!